Le Nil, fleuve d'origine céleste, le Nil coule à travers les âges. Selon Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. Grâce à lui, le désert a fleuri. Et sur ses rives, la civilisation la plus grandiose est née. L'Égypte a enrichi le patrimoine de toute l'humanité. Une longue expérience humaine qui s'étend depuis le 4e millénaire jusqu'à l'ère chrétienne. Une civilisation intéressante par son ancienneté et sa continuité, où chaque monument évoque de manière intense les événements de la vie des hommes disparus. L'Égypte, c'est l'invitation au voyage, la rencontre avec le passé, un voyage dans le temps. Pays fascinant et mystérieux, sa civilisation antique, créatrice de grandes œuvres au relief admirable, en fait le pays le plus visité du monde. Une oasis au climat saharien et aride, avec des vents desséchants, des précipitations pratiquement nulles. Un pays pas comme les autres, essentiellement continental et fluvial. L'Égypte est très originale. L'extraordinaire fourmillement des villes reflète bien la configuration géographique de cette civilisation, témoignant que l'Égypte est un pays d'habitat groupé. Comptant plus de 50 millions d'habitants, il possède un taux de croissance démographique important. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un Égyptien sur deux a moins de 20 ans. Premier grand berceau citadin de l'Égypte, Memphis fut la première capitale pharaonique reflétant l'unification de la Haute et Basse Égypte. Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques vestiges et amoncellements de pierres du temple de Ptah. Ici, sur cette terre, a commencé, voici plusieurs milliers d'années, la dynastie des premiers pharaons qui, tour à tour, gouverneront la vallée du Nil. À 35 km du Caire, la grande nécropole de Saqqara. En cet endroit, qui est le plus surprenant de l'Égypte ancienne, on dit que les archéologues se lassent plutôt de fouiller que Saqqara de fournir. Sur ce vaste horizon de cailloux et de sable, les découvertes fondamentales se succèdent sans interruption depuis 140 ans et cela continue toujours. Ici, le pharaon Djoser fit construire son temple funéraire. Son conseiller et architecte, Imhotep, bâtit pour lui la célèbre pyramide à degrés, point culminant d'un vaste complexe funéraire. Le monde de Saqqara, avec ses pyramides d'un autre genre, à degrés, inachevées ou partiellement détruites, est un monde mort. Pays des morts, mais si vivant, où foisonnent d'innombrables sépultures et mastabas de rois et de nobles.
dressées pour l'éternité au milieu des sables brûlants, les pyramides du plateau de Gizeh demeurent le symbole de l'Égypte. Après 4 millénaires, l'érosion naturelle n'a que faiblement endommagé ces puissantes structures de calcaire. La pyramide de Khéops, pure et parfaite, jadis l'une des 7 merveilles du monde, fut construite vers 2690 avant Jésus-Christ. De toutes les créations humaines, les pyramides du plateau de Gizeh, veillées par le Sphinx, sont les plus énigmatiques. Vallée de la vie, terre du miracle, l'Égypte laisse couler sa longue histoire à l'image du fleuve salvateur. De tout temps, l'homme vécut avec le fleuve. En remontant le Nil au rythme lent, on peut contempler les scènes de la vie rurale qui, depuis l'origine de l'homme, n'ont pas changé. L'une des premières étapes, et d'ailleurs la plus enrichissante pour le visiteur, est celle de l'ancien Thèbes. Sur la rive orientale, capitale du Moyen Empire et du Nouvel Empire, haut lieu de l'égyptologie, ensemble gigantesque et prodigieux. Le Nouvel Empire marque l'apogée de l'Égypte, trace d'un prestige inégalé jusqu'alors. Une période qui connaîtra un faste inouï avec l'afflux des butins et des richesses qui permettront de construire encore plus grand. En résumé, on assiste à l'âge d'or des pharaons. Luxor est l'œuvre de 2 grands pharaons, Amenophis III et Ramsès II. Le temple fut dédié au dieu Amon et servait, une fois par an, de cadre à la célébration de la fête de l'Opet du Sud, jour de l'an et renouveau de la crue de juillet. Relié autrefois à Luxor par une longue allée ornée de sphinx, voici Karnak. L'enceinte du grand temple d'Amon-Ré, le dieu suprême, couvre 100 hectares, c'est-à-dire la moitié de la superficie de Manhattan. L'histoire de Karnak n'est qu'une longue suite de suppressions, d'ajouts et de métamorphoses. Là, chaque pharaon a voulu faire offrande d'un édifice à son divin père Amon-Ré, afin que ce dernier ne cesse de lui renouveler ses bienfaits. Ce site grandiose, reflétant la puissance des dieux et des prêtres égyptiens, abrite la plus grande salle hypostyle de l'Antiquité, où se dressent 134 colonnes gigantesques, mesurant 23 mètres de haut, qui jaillissent, pures et puissantes,
toute couverte d'hiéroglyphes et de reliefs. Karnak, perle de l'Égypte, une esthétique parfaite. Architecture sublime, large, grandiose, pour ces pharaons qui étaient la représentation vivante des dieux, on a dressé des statues ciselées avec effort, en pleine masse d'albâtre gigantesques comme des montagnes. Franchissons le Nil pour nous rendre dans une zone désertique au pied des montagnes thébaines, pour pénétrer dans la vallée des morts où se trouvent les plus grandes sépultures royales et plusieurs tombeaux de nobles. Nous quitterons la vallée de l'au-delà avec quelques vues du temple de la reine Hatshepsut à Deir el-Bahari, qui offre au regard des bas-reliefs d'une extraordinaire finesse. De magnifiques peintures murales ont également gardé, malgré leurs 3500 années, toutes les symphonies de leurs couleurs. Le Nil linéaire, le Nil millénaire, coule dans une vallée étroite et fertile. Le fleuve roi nous conduit, à l'image de cette felouque, tranquillement vers Esna. Sur la rive gauche du Nil, dominée par le minaret de sa mosquée, notre étape à Esna nous laissera un souvenir charmant d'authenticité. Ce bourg, à caractère agricole, a gardé tous les attraits originaux de la vie d'autrefois en Égypte, dans laquelle le petit peuple vivait. Les vestiges du temple, situé au cœur de la ville, dédié au dieu Khnoum, datent de l'époque ptolémaïque et romaine. L'ensemble de cette architecture est recouverte de reliefs d'une exécution très soignée. Monument digne d'intérêt, où subsiste une belle salle hypostyle aux proportions exquises. Le long du Nil pousse en abondance la fleur de papyrus. Suivons-en maintenant la préparation. Voilà la plante du papyrus. Là, comme vous voyez, sa fleur a la forme du rayon du soleil. C'est une plante aquatique tropicale.
Mais tout d'abord, j'attire votre attention à la forme de la tige. Vous voyez donc qu'elle est pyramidale. Tout est pyramidal chez nous, hein? Et maintenant, j'enlève l'écorce. Avec cette corse, les anciens Égyptiens ont travaillé des lits, des sandales, des paniers, des ceintures, des barques, et même le trône de Toutankhamon a été fait avec cette corse du papyrus, parce que vous voyez là qu'elle est forte et en même temps souple, flexible. Les anciens Égyptiens martelaient ces lamelles pour faire mourir les cellules. Par contre, nous à présent, on utilise le rouleau. Mais vous le savez à quoi donc ça sert, hein? Maintenant, avec le rouleau, il est beaucoup plus facile et aussi ça me donne un meilleur résultat. Naturellement, vous voyez donc que la lamelle devient flexible. Par contre, là, si on ne fait pas ce travail, là, ça se casse. Ensuite, je trempe les lamelles dans l'eau pour 6 jours afin de se débarrasser de la quantité de glucose qui arrive parfois à 40%. Mais en changeant l'eau tous les 24 heures, ces 40% s'abaissent au 10%, qui est le juste pourcentage pour faire le papyrus. Maintenant, j'enlève les lamelles qui sont dans l'eau. Et je les pose comme ça sur 2 morceaux de tissu, l'un coton et l'autre du feutre. Et là, comme vous voyez, en horizontal et vertical, mais avec un chevauchement de 1 ou 2 mm. Et voilà, c'est comme ça pour faire le papyrus horizontal et vertical. Après, je le couvre d'un autre morceau de tissu et du feutre et je porte ça sous la presse pour 6 autres jours. Mais en changeant le coton et le feutre chaque 6 heures pour s'en débarrasser de l'eau et de l'humidité. Donc, vous voyez combien de temps ça prend pour faire un papyrus. N'oubliez pas ça. On emploie 12 jours, 6 jours dans l'eau et 6 jours sous la presse. Mais les anciens Égyptiens n'avaient pas de presse. Vous savez qu'est-ce qu'on faisait? Vous le savez? Non. On utilisait des géants de blocs de granit qui est ramené d'Assouan et qu'on les mettait sur le soleil entre 2 morceaux du lin. Et voilà qu'après tout ce travail, là on obtient le papyrus. Voilà, horizontal et vertical. Attention, il faut faire très attention, parce qu'il y en a le faux fabriqué, celui du banana ou du canne à sucre. Et c'est très facile de le trouver ailleurs avec les marchands dans la rue. Mais ici, l'Institut s'appartient à l'État, et là, il vous présente le vrai papyrus. Voilà que je peux m'en rouler. Et le froissé même. Mais il ne risque rien, il est assez fort. Au Caire et en Haute-Égypte, des enfants dans des écoles d'État peuvent, durant quelques heures par jour, apprendre les différentes techniques du tissage. Les motifs des tapis retracent les scènes quotidiennes de l'Égypte sous forme de représentations naïves. Bâtis à une époque où les arts et les sciences avaient acquis toute leur splendeur, Edfou est l'un des temples qui soit le mieux conservé d'Égypte. La cité d'Horus, le faucon sacré, surpasse tout en grandeur
noblesse et magnificence. Sa décoration est pure, exclusivement mythologique et religieuse. Le réalisme sans concession de ces bas-reliefs qui foisonnent sur ses murs et colonnes retrace à la manière d'un livre colossal qui semble vivre encore le quotidien de l'Égypte d'autrefois. Nous regagnerons les bords du fleuve en calèche, qui, conduite par d'habiles cochers, permettent, durant le trajet, de découvrir cette localité. De tout temps, ce fleuve fut la route principale empruntée par les Égyptiens. Depuis le temps d'Osiris, les Égyptiens ont voyagé sur ce fleuve d'un temple à l'autre. L'architecture égyptienne séduit et envoûte par ses proportions. Il est bien prouvé que les Égyptiens tenaient plus au grandiose qu'à la régularité symétrique, comme on le remarque à Kom Ombo, où on révérait Sobek, le dieu crocodile. Voici Assouan et ses felouks. Ici finit la grande Égypte touristique. Les anciens considéraient cet endroit comme les portes de l'inondation, où seuls les felouks aux hautes voiles peuvent naviguer au milieu des courants rapides de la première cataracte. Décor admirable, au climat sain et à l'air léger. Assouan, lieu de détente et de repos, où cette felouque ruse avec le vent qui gonfle sa voile, emportant ses touristes émerveillés sur la rive occidentale vers le mausolée de l'Aga Khan qui surplombe la villa de la Bégom. À 7 km d'Assouan, entre les deux barrages, de petits bateaux folkloriques conduisent les visiteurs jusqu'au temple de Philae, situé au milieu d'un bassin de retenue qui s'étend comme une mer. La construction du premier barrage en 1902, puis du haut barrage sur le Nil, provoqua alors son engloutissement durant une grande partie de l'année. Dans les années 60, ému par cette circonstance, le gouvernement égyptien prit la décision, avec l'UNESCO, de déplacer celui-ci, dès 1972, sur l'île voisine d'Al-Jilkia, à 300 mètres de Philae. Élevé à la dernière époque de la puissance égyptienne, ici, l'art se manifeste dans une ultime pureté. Des colonnes sculptées avec amour, avec à leur extrémité le joli sourire de la déesse Hathor. Mais Philae, c'est avant tout le domaine de la déesse Isis, qui y sera honorée jusqu'au milieu du VIe siècle après Jésus-Christ. Depuis quelques années seulement, au milieu du désert de Nubie, serpente une route goudronnée où l'on rencontre parfois une caravane de chameaux faisant halte, même au prestigieux site d'Abou Simbel.
En bordure du lac Nasser, voici la basse Nubie. Ici, le lac aux couleurs magiques, entouré de sable et de collines, offre au petit matin un panorama grandiose. Siégeant adossé à la montagne, quatre colosses d'une vingtaine de mètres, sortis d'un décor d'opéra, attendent le lever du soleil. Édifice consacré au culte du dieu soleil Ra. Au pied du pharaon, plusieurs autres statues de proportions plus réduites représentent l'ensemble de la famille pharaonique. Là, foisonne sur les murs un chapelet d'inscriptions. Admirons la fameuse et splendide frise des prisonniers africains et asiatiques. Ce temple souterrain abrite une allée magistrale de statues représentant Ramsès II. Ce pharaon eut un règne extrêmement long, 1298-1235. Mais il marque le début de la décadence de l'Égypte. Il est bon pour nous que ce pharaon, né du soleil, choisi par le soleil, ait été le plus grand constructeur égyptien, même si il fut souvent un usurpateur architectural qui n'hésitait pas à faire gratter les anciens cartouches des monuments pour y substituer les siens. Sur la droite, à courte distance du grand temple, le sanctuaire de la reine Néfertari, dédié au culte de la reine et d'Hathor. Ce temple est orné par six colosses taillés dans le roc, représentant la reine et le roi. À l'intérieur, sur les murs, de jolis motifs décorent les différentes salles du temple à l'allure sensible, qui ont magnifiquement résisté à l'usure des siècles.